Artiste accomplie, elle continue d'intéresser les médias, et pour cause, si est-il une vraie force de la nature. Ce lundi 9 octobre 2023, Nicole Croisi fête ses 87 ans, l'occasion pour nous de faire un retour sur sa transformation physique en 15 photos. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir fêter ses 87 ans en étant en pleine forme, et si est-il pourtant le cas de Nicole Croisi. Reine des cabarets parisiens, l'artiste française passionnée de comédie musicale a très vite rencontré le succès. Après avoir suivi des cours de danse et de chant, elle rejoint le ballet de la Comédie française à 19 ans. Elle se fait ensuite remarquer par Marcel Marceau lorsqu'elle intègre son école. Après cette première expérience, elle arrive au sein de l'école du mime Marceau et enchaîne une tournée en Europe et en Amérique du Sud. Elle participera notamment à la célèbre revue de Joséphine Baker avant d'entamer une carrière dans la chanson puis la comédie grâce à sa rencontre avec Claude Lelouch. Malgré une carrière de plus de 60 ans, la chanteuse aux multiples albums ne semble toujours pas vouloir s'arrêter. Vraie force de la nature, elle a su s'adapter au temps qui passe et évoluer. De plus en plus discrète dans les médias, ce n'est pas pour autant qu'elle a disparu du monde du spectacle, bien au contraire. Aujourd'hui la grande voix de la chanson française continue d'apparaître sur la scène et les plateaux de télévision. Le public a notamment pu retrouver Nicole Croisi dans la pièce « N'écoutez pas, mesdames », aux côtés de Michel Sardou en 2019. Et le moins que l'on puisse dire, si est-il que l'inventrice de Shabadabada présente toujours un physique à tomber par terre. Nicole Croisi a 87 ans, retour sur sa transformation physique à chaque apparition publique, la Nicole Croisi continue d'éblouir les photographes. À 87 ans, la chanteuse aux magnifiques yeux bleus semble rester jeune, que ce soit physiquement ou mentalement. Après avoir eu les cheveux roux, la passionnée de comédie musicale a définitivement adopté le blond dans les années 80, tout en gardant ses éternels sourcils fins. Comment à presque 90 ans, cette artiste accomplie et surdouée conserve-t-elle un physique de rêve? Le journal Montréal a obtenu la réponse, « Je m'entraîne toujours comme une danseuse, ça aide à mieux supporter le poids des années. J'entends continuer de chanter tant que la santé me le permettra, avant d'ajouter, je ne quitterai pas la scène pour autant. J'entends bien continuer de rester active comme comédienne. Décidément, l'expression le travail, si est-il la santé s'accorde parfaitement à cette grande dame. »